Que diriez-vous d'en savoir plus sur les arbres qui vous entourent grâce à des circuits guidés? C'est ce que vous proposent les organismes CRIVER et Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. Ça fait partie de la mission de CRIVER de faire de l'éducation, je veux dire, et de la sensibilisation. C'est des missions en tant qu'OBNL. Et de là, CRIVER, par le passé, avait déjà établi des circuits d'arbres remarquables dans la ville de Valleyfield pour mettre en valeur des arbres qui se distinguaient par leur taille, par leur âge. Et on a voulu en faire une version 2.0, justement parce qu'on cherche à protéger ce qu'on aime et puis on voulait donner une seconde vie à ces circuits-là aussi pour que les gens connaissent le plaisir d'identifier eux-mêmes certains arbres et qu'en fait, au travers de tout ce qui est des feuilles vertes puis un tronc brun, on puisse être capable de nommer puis d'apprécier les différences. Donc, de là a mijoté l'idée. Dans les prochaines semaines, 4 rendez-vous seront proposés à la population, dont 3 au Parc régional des îles de Saint-Timothée et 1 en bordure du Vieux-Canal. Sur le bord du Vieux-Canal, où est-ce que là, on a une végétation arbustive plus indigène, puis de la combiner avec l'arboretum qui a aussi été mis là par CRIVER, vers 2017, où est-ce que là, il y a des essences qu'on est moins habituées du sud de l'Ontario, mais qu'on pense qu'ils vont s'en venir un peu plus vers le Québec avec les changements climatiques. Et finalement, le troisième volet, bien, c'est le boisé du Parc des îles, où là, c'est aussi une autre approche parce qu'on est dans un boisé avec des espèces indigènes. Donc, c'est comme ça que naquit l'idée de faire un circuit d'à peu près 1h30 pour que, dans le fond, les gens en apprennent un peu plus sur les arbres et soient un peu plus en mesure, d'en identifier parce qu'on pense que le contact humain amène un complément à ce que tout ce que les applications peuvent nous offrir. D'autres rendez-vous ont eu lieu au courant du mois de septembre, notamment au parc d'Elpha Sauvé. Ceux et celles qui ont manqué ces circuits guidés pourront toutefois se reprendre grâce à une carte interactive. Pour poursuivre l'expérience par après, pour 2 des circuits, c'est-à-dire le circuit du Parc Sauvé et celui du Vieux-Canal, une carte interactive va être disponible après la semaine de la biodiversité. Donc les gens pourront refaire les circuits à l'aide de leur téléphone intelligent. Il y aura des descriptions géoréférencés de certaines espèces. Donc, ils pourront à ce moment-là le faire à leur rythme, le scinder. Ça pourra aussi être utilisé par des écoles ou par d'autres institutions. Et en plus, au Parc Sauvé, il y aura un volet audio. Cette activité de circuit guidé s'intègre dans la programmation de la 5e semaine de la biodiversité présentée par la ville de Salaberry de Valleyfield. Ça fait 5 ans que la ville organise la semaine de la biodiversité et en fait à l'initiative de cette semaine-là. L'objectif, en fait, c'est de parler de la biodiversité, d'amener le sujet, d'inviter les citoyens à participer. Donc, comprendre ce qu'est la biodiversité, en quoi elle est nécessaire dans notre milieu, pour notre qualité de vie, tout d'abord, pour le bien-être de la nature, mais on dépend de la nature, alors l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, permettre aux citoyens d'y participer puis d'être acteurs. Donc, on favorise, mais on a besoin de la participation des citoyens. Et évidemment, c'est en cohérence aussi avec le plan stratégique de la ville qui incite à la mise en valeur des milieux naturels pour en faire des leviers de développement économique. 2 plantations citoyennes figurent dans la programmation de la Semaine de la biodiversité. Donc, la Semaine de la biodiversité, c'est 6 rendez-vous ouverts au public, parce qu'on fait aussi des activités dans les écoles. Ça va se dérouler du samedi 24 septembre au 1er octobre, donc du samedi au samedi. Et on commence avec une plantation. Nous invitons les citoyens à participer à une première plantation citoyenne au parc de Mers. Donc là, c'est juste 150 arbres à planter, donc c'est une petite plantation. Par contre, en après-midi, dès 12h30, dans le quartier de la baie, on a un terrain vacant qui va pouvoir accueillir plus de 700 arbres. Alors là, on a besoin de cœurs vaillants, de bras et de pelles pour nous aider à réussir cette plantation et en fait à redonner ce terrain vacant, donc qui ne sera jamais construit, à la nature pour un reboisement massif. Une présentation sur le futur parc Marsil, une conférence sur les arbres à noix du Québec et une distribution d'arbres, d'arbustes fruitiers et de semences sont également à l'horaire de la programmation. Les détails sont sur le site Internet de la ville de Salaberry de Valleyfield.